Lorsqu'un vampire est en torpeur, n'importe quel vampire peut maintenant tenter de diaboliser ce dernier, c'est-à-dire de l'éliminer du jeu définitivement et l'envoyer dans le Ash Heap. C'est une action dirigée à 0 stealth si elle cible un vampire adverse, et à plus un stealth si elle cible un vampire appartenant au même Metsula. Il y a une petite particularité pour les vampires affligés du mot-clé « Blood Cursed », car ceux-ci ne sont pas autorisés à diaboliser. La diablerie est une action qui ne requiert par défaut aucune carte, au même titre que le Bleed ou la Hunt. Voici les étapes à suivre si l'action de diablerie est une réussite. D'abord, le diableriste, le vampire qui fait l'action de diableriser, pourra transférer sur lui-même tous les équipements et la totalité du sang restant sur sa victime. Le sang cédant la capacité du diableriste, s'il y en a, retournera à la Blood Bank. Notez que les autres cartes, les Master Discipline, les Retainers par exemple, ne sont pas, elles, transférées. Ensuite, la victime est brûlée, c'est-à-dire qu'elle est envoyée dans le Ash Heap de son possesseur. Finalement, une carte Master Discipline pourra être donnée au diableriste si la victime était plus âgée, c'est-à-dire qu'elle avait une plus grande capacité. Cette carte Master Discipline pourra provenir de la Library, du Ash Heap, ou encore de la main du joueur. Une fois la carte Master Discipline mise sur le diableriste, la Library devra être mélangée et la main du joueur remise à sa quantité de cartes normale, si cela n'est plus le cas. Il est à noter que la Master Discipline augmente la capacité du vampire, mais ne lui donne pas automatiquement un blood de la Blood Bank. La diablerie est un acte considéré illégal dans le monde vampirique. Après qu'une diablerie ait été commise, un référendum est immédiatement déclenché contre le diableriste. Ce référendum concernera la Blood Hunt. Si le référendum passe par au moins une voix, le diableriste sera immédiatement brûlé et envoyé dans le Ash Heap. Si le référendum est ex aequo ou s'il ne passe pas, le diableriste survit et rien de plus ne se passe. Attention, ce référendum est totalement indépendant de l'action de la diablerie. Elle ne peut donc pas être bloquée. De plus, comme ce référendum n'est pas le résultat d'une action, aucune carte d'Action Modifier ni de réaction ne pourra être jouée. Par exemple, des cartes telles que Bewitching Oration, Surprise Influence ou encore Poison Pill ne seront d'aucune utilité lors du référendum d'une Blood Hunt.